Collection Histoire des prophètes. Bonjour les enfants, je vous présente cette collection par des prophètes. Alors cette fois c'est Adam, paix sur lui, et Idriss, paix sur lui aussi. Adam, paix sur lui. Adam est considéré comme le père de l'humanité. Allah le créa à partir de l'argile. Insuffla en lui son esprit. L'honora, lui enseigna les noms des choses, éleva sa position et somma les anges de se prosterner devant Adam. Ces derniers exécutèrent tous l'ordre d'Allah. Alors, Sayyiduna Adam, alayhi salam, huwa abu al-bashariyya. Adam est considéré comme le père de l'humanité. Adam est considéré comme le père de l'humanité. Adam, alayhi salam, Allah le crée à partir de l'argile. خلقه الله سبحانه وتعالى من الطين. Allah le crée à partir de l'argile, de l'ard. Insuffla en lui son esprit. ونفخ من روحه. Insuffla en lui son esprit. Le nora شرفه الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام lui enseigna les noms des choses. وعلمه الأسماء كلها. Les noms des choses. اسم ديال الشجرة, اسم ديال جميع المخلوقات. Éleva sa position et somma les anges de se prosterner devant Adam. وكذلك أمر الملائكة بالسجود احتراما لنبينا آدم عليه السلام. Éleva sa position ورفعه. رفعه الله تعالى وأمر الملائكة بالسجود سو بروستيرني سجود معناه سو بروستيرني devant Adam ces derniers exécutèrent tous l'ordre d'Allah. إذن الملائكة نفذوا ما أمرهم الله تعالى أي السجود لآدم à l'exception d'Iblis qu'Allah le maudisse et s'enorgueillit et s'opposa à l'ordre d'Allah. Jalouse à cette créature qu'Allah honora et éleva en degré et pense à lui-même qu'elle était supérieure à lui car elle était criée de feu et Adam criée d'argile. Alors, bisitna Iblis. Il est Iblis. Kana min al-jinn. Qu'Allah le maudisse, la'anahu Allah. Il s'enorgueillit, takabbara Iblis. Il s'opposa à l'ordre d'Allah. ثم رفض أوامر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. جالوز cette créature qu'Allah honora et éleva en degré. رفع الله وشرف آدم. إذن إبليس لعن الله حسده على ذلك. Et pensa lui-même qu'il était supérieur à lui. واعتقد إبليس أنه أعلى مرتبة من آدم عليه السلام لأنه خلق من نار وآدم عليه السلام خلق من طين. Car il était créé de feu. أقصد بالذكر إبليس. Car il était créé de feu et آدم créé d'argile. إذن سر طرد الله سبحانه وتعالى من أرى من 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 سن طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من رحمته هو التكبر, هو الحسد, هو التعالي. مسألة بسيطة جدا. أن اعتقد إبليس أنه أكثر تمييزا من آدم عليه السلام لأنه خلق من نار. Il était créé de feu. Et آدم créé d'argile. وآدم خلق من الطين. إذن بالنسبة لإبليس هذه الميزة اللي خصو يمتاز بها هو على سيدنا آدم عليه السلام وكان مخطئا. Alors je rappelle encore en français. À l'exception d'Iblis, il est bistitné Iblis.
qu'Allah le maudisse, la'anahu Allah. Il s'enorgueillit, تكبر إبليس et s'opposa à l'ordre d'Allah ورفض ما أمره الله جلوز cette créature وحسد هذا الخلق هو آدم عليه السلام كالله أنورا et il va être vrai et pensant en lui-même فاعتقد في نفسه أنه أحسن منه بكثير لماذا؟ لأنه خلق من النار car il était créé de feu et آدم créé d'argent وخلق آدم من النار. Allah exclut alors Iblis de sa miséricorde, établit Adam paix sur lui au paradis, créa à partir de sa côte son épouse Hawa, et leur ordonna de manger des arbres du paradis et de profiter à l'exception d'un seul arbre dont il leur interdit l'accès. Cependant, Iblis fut déterminé à séduire Adam et sa descendance jusqu'au point où ils fussent exclus de la miséricorde d'Allah comme le fit Iblis. Allah exclut alors Iblis de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala tarada Iblis min rahmati. Établit Adam, paix sur lui, au paradis. Askana Adam alayhi salam al-jannah. Créa à partir de sa côte son épouse Hawa. Wa khuluqa min dalay umul Hawa. Et leur ordonna de manger des arbres des paradis et de profiter à l'exception d'un seul arbre dont il leur interdit l'accès. Ni Adam ani akula jami' ashjar li jami' thamar ashjar dial al-janna ma 'ada shajara wahida. Mana'a Allah ta'ala min hadhihi ash-shajara ani akula thamar hadhihi ash-shajara. Cependant, walakin cependant Iblis fut déterminé à séduire Adam et sa descendance. إن الغاية من إبليس هي الغواية. قرر دائما الغواية لآدم وجميع الخلف من آدم et sa descendance. Jusqu'au point où ils furent exclus de la miséricorde d'Allah comme le fut Iblis. والهدف من هذا هو أن يطردوا كذلك من رحمة الله. كما حصل له الله اكسكلو alors Iblis de sa miséricorde établit Adam paix sur lui au paradis créa à partir de sa côte son épouse Hawa et leur ordonna de manger des arbres c'est des fruits des arbres du paradis et de profiter à l'exception d'un seul arbre dont il leur interdit l'accès mais Iblis fait déterminer à séduire Ruwayr, Adam et sa descendance jusqu'au point où il fut exclu. Iblis voit un يخرج جميع من رحمة الله. Voilà. هذا هو الهدف ديالو. Où il fut exclu de la miséricorde d'Allah, comme le fit Iblis. Iblis piégea Adam et Hawa. Il SF chédit. Iblis la anahullah, qad najaha fi irwa. Adam, alayhi salam, Sayyiduna Adam, alayhi salam, wa kadalik Sayyidatuna Hawa. Les incita à désobéir à Allah. Et à manger de l'arbre interdit et prétendit que cet arbre représentait l'arbre de l'éternité. Then awhamahum Iblis la'anahu Allah anna ash-shajara al-mamnu'a hiya shajaratul khuld. Idan shajja'ahum 'ala akl thimar shajaratul khuld. À savoir que celui qui en mange sera éternel au paradis. Eden. Ruwaya kan najaha bi'abil mi'a. Lianna Iblis na'ama Allah. Ertikaza ala mas'ala. Anna shajarat al-khuld. Tamnahu ayy shakhsin yatanawalaha
الخلد والمكوث في الجنة. À savoir que celui qui en mange sera éternel au paradis et ne sera jamais, jamais privé de ses biens. Adam et Hawa répondirent à Iblis, qu'Allah le maudisse, et mangèrent des fruits de l'arbre interdit. Par conséquent, Allah les expulsa sur terre car ils allèrent à l'encontre de son ordre. À cet instant, Adam et Hawa surent qu'ils avaient fauté. Ils implorèrent alors le pardon de leur Seigneur et se repentirent. Allah accepta donc leur repentir et leur ordonna d'habiter sur terre et de la remplir de bien. Adam et Hawa répondirent à Iblis. Il s'agit آدم سيدنا آدم وحواء لما يملي عليهم إبليس كالله لموديس لعنه الله et mangèrent des fruits de l'arbre interdit وكلا من تلك الشجرة الممنوعة من ثمار تلك الشجرة الممنوعة par conséquent Allah les expulsa sur terre car ils allèrent à l'encontre de son ordre وبهذا أخرج الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وحواء من الجنة بسبب ذنبهما أي اقتراب تلك الشجرة وأكل ثمارها. À cet instant, Adam et Hawa surent qu'ils avaient fauté, إذن حس بأنهم أدنبا. Ils implorèrent alors le pardon de leur Seigneur. ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم الله accepte donc leur repentir إذن تقبل الله ومن آدم عليه السلام وحواء توبتهما وأمرهما أن يسكن الأرض ويملأ عدلا وخيرا et leur ordonna d'habiter sur terre et de la repentir de bien. نكتفي بهذا القدر أيها الأطفال الأعزاء ونكمل في حصة قادمة تتم هذه الحكاية الجميلة جدا آدم عليه السلام وإدريس عليهم السلام.